Samuel Sely, ouvreur de l'US Carcassonne, tu auras titulaire demain à Domecq, l'occasion pour toi de prouver ta valeur. Ouais, prouver ma valeur et déjà faire ce premier match à Domecq avec ma famille qui regarde et autres. Et voilà, c'est important pour moi d'avoir cette première. Mentalement déjà, ça fait du bien de rentrer dans le groupe et voilà, j'espère qu'il y aura la victoire pour parrainer tout ça. Quel est ton état d'esprit depuis le début de la saison à l'US Carcassonne? État d'esprit, on veut jouer, on veut s'accrocher à tout, on veut montrer qu'on n'a pas été recruté pour rien et qu'on ne doit pas être oublié. Moi avant tout, mon état d'esprit c'est retrouver mon plaisir de jouer, mon plaisir de continuer à jouer au rugby. Voilà, c'est pourquoi depuis tout petit j'ai fait des sacrifices et j'ai fait mes choix. Maintenant voilà, c'est ma principale motivation, avoir du plaisir et jouer au rugby. Ouais. Donc le groupe a pour ambition d'accrocher le top 6 à l'issue de la saison pour avoir l'ambition de réussir cet objectif-là. Ça passe par une victoire demain à sa province rugby, pardon. Ouais, bien sûr, il faudra s'accrocher toute l'année. Les saisons sont longues, très longues, avec des équipes qui sont de plus en plus armées, avec des effectifs de plus en plus gros. Donc voilà, à domicile, il faut être intraitable. On est convenu contre Grenoble qui ne nous a pas permis justement d'être dans ces 6. Maintenant, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur et il est important de même faire une bonne prestation. Comment tu analyses cette équipe, toi, de province rugby? Très belle équipe avec de fortes individualités, une équipe qui travaille très bien. Ils ont des joueurs vraiment, vraiment de qualité, un groupe qui à mon avis vit bien ensemble, ils ont un collectif, ça joue même bien, donc ça va être compliqué. Comme je l'ai dit aujourd'hui, toutes les équipes sont de plus en plus armées, Aix-en-Provence en fait partie et je pense que demain il va falloir sortir un gros match pour pouvoir gagner. Merci Romuald et on te souhaite un bon match. Merci. Parfait.